Coucou mes loulous, je ne vous ai pas oublié, je termine les signes aujourd'hui et demain, j'essaye de faire au mieux. Je vous rappelle que si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, surtout votre ascendant si vous avez passé 40 ans. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site mimisproject.com, soit pour un soin aussi, également une communication avec votre animal. Je vous rappelle que si vous voulez voir vos souhaits se réaliser sur 2022, passer une petite année aux petits oignons sans trop de problèmes, je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai fait en live récemment sur comment être épanoui sur 2022. Je vous donne plein de petites clés pour arriver à voir vos souhaits se réaliser. Et je vous assure que ça fonctionne. Allez, c'est à qui le tour hein. Pour aujourd'hui, on y va pour les petits cancers. Donc, comme d'habitude, je prends mon oracle G pour les énergies générales, qui est où? Qui est ici. Et ensuite, on ira voir pour votre domaine sentimental. Allez, les cancers, pour ce mois de janvier 2022. Quels sont les messages pour nos cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour cette mois de janvier? Cancer, s'il vous plaît, pour 2022. Cancer. Allez, les cancers, à votre coupe. Cancer. Alors, on nous assure de quelque chose. On nous assure de quoi? D'une rupture, d'une séparation. Qui peut être professionnelle, qui peut être sentimentale. Ça peut nous parler de conflit également. Bon, alors, ça ne va pas très bien pour vous, les cancers, sur ce mois de janvier. Votre énergie principale sur ce mois de janvier, l'hiver. Bon. Alors, on nous parle de l'hiver ou on en parle éventuellement de quelque chose qui est figé, d'une relation qui n'avance pas, d'une situation qui est bloquée, qui est gelée, qui est froide. Voilà, ça peut nous parler de quelque chose dans ce sens-là. On va aller voir ce qui nous entoure. Alors, j'ai l'impression que c'est sentimental, les amis. Hein. C'est sentimental. Ouh là là, il y a des jalousies, il y a des médisances, il y a des chagrins, il y a de la sexualité. Il y a de la communication, il y a des échanges. Ok, bon, l'avantage, c'est qu'en synthèse de votre jeu, vous sortez avec ça. La richesse, l'abondance, l'argent, l'illumination, la chaleur, ça se réchauffe. C'est beaucoup plus enrichissant. Alors, ça pourrait aussi me parler éventuellement d'une trahison au niveau de votre travail. Vous apprenez, vous êtes en partenariat, en association avec quelqu'un, vous êtes en collaboration avec un partenaire et vous avez une petite trahison, quelque chose qui vient vous piquer un petit peu dans le dos ici. Une communication, un mail dont on vous fait part, hein, qui vient vous dire, dis donc, il est pas chié, elle est pas chiée, ou voilà, ça vous retombe dessus un petit peu comme ça en vous. Plante un petit couteau dans le dos. Il y a quelque chose comme ça qui vous perturbe énormément sur ce début du mois. Mais, je dirais qu'il y a un petit retour de karma, n'est-ce pas? Où vous avez quelque part cette opportunité ici qui vient vers vous, qui va vous permettre de... Plom, jackpot, on a quand même l'argent sur votre dernière ligne avec ça qui finit par arriver en synthèse. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est un petit peu comme un mal pour un bien ou comme un petit retour de manivelle, hein, en quelque sorte. Hein. Alors, peut-être que vous usez aussi les cancers de ruse pour obtenir ce que vous voulez sur ce mois de janvier. Mais du coup, ça fonctionne, ça marche parce que vous obtenez le résultat escompté. Alors, il y a une opportunité qui va venir vers vous, qui va vous permettre de faire basculer, en fait, cette complication qu'on a au début de votre mois de janvier où on sent que il y a des jalousies aussi. Hein. Attention, ça peut être ça. C'est-à-dire que vous avez une opportunité peut-être professionnelle et financière de garder plus, de gagner plus d'argent, une promotion, une mutation qui vous est accordée, une augmentation de vos horaires de travail et qui forcément vous enrichit mais peut provoquer des jalousies autour de vous. Faites attention. Si on part sur le domaine sentimental, on pourrait nous parler éventuellement effectivement d'une tromperie. Hein, éventuellement, peut-être au niveau du domaine professionnel ou une tromperie tout court, vous apprenez par message ou une jalousie concernant votre partenaire. Mais une opportunité va vous permettre d'enrichir un petit peu plus la situation, d'enrichir la relation, d'y voir plus clair aussi, c'est possible, une opportunité d'y voir plus clair. Peut-être qu'on a de l'argent aussi hein, en question. Peut-être qu'on a une problématique d'argent, d'héritage au sein d'une famille aussi. Hein, ça peut me parler de ça. Il y a quelque chose avec l'argent, il y avait quelque chose avec l'aspect financier. Où il y a une forme de jalousie un petit peu latente, peut-être sur ce que vous gagnez, ou le fait que vous ayez un meilleur poste, ou peut-être que vous êtes héritier d'une maison quelconque, et que familialement, ça crée des jalousies, ça crée des discordances, ça crée alors, de toute façon, je vous ai dit, hein, 2022, c'est les relations, la famille, les foyers qui vont être mis en avant. Donc là, il y a quelque chose comme ça.
Mais on sort hein, de cette tendance un petit peu hivernale, situation qui bloque un petit peu. Voilà, hein, vous avez derrière ce point d'exclamation, nous avons l'élévation. Donc, vous évoluez, hein, les cancers, ce que je ressens sous le mois de janvier, vous prenez en galon, d'accord? Vous vous repositionnez sur un piédestal un petit peu en quelque sorte. Vous faites taire les détracteurs, voilà, c'est ce que je ressens. Mais ce qu'on me dit, vous faites taire les détracteurs. Bon, je n'utilise jamais ce terme détracteur, détracteur. Faudrait que j'aille voir ce que ça veut dire exactement. Mais j'entends ça, vous faites taire les détracteurs. Bon, ben, c'est ce que je mets, c'est ce que je mettrai sur votre titre. Donc, vous laissez pas faire les cancers sur ce début du mois de janvier, même si vous faites face à des jalousies, des mauvais, hein, des bavardages autour de vous, ou tromperies éventuellement, parce que le karma tourne et c'est vous qui récupérez les lauriers. Allez, on va aller voir sur le domaine sentimental avec le tarot. Le tarot, c'est parti. Mes petits cancers, ascendant cancer, lune en cancer, sur ce mois de janvier, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, au niveau sentimental, sur ce mois de janvier, s'il vous plaît. Janvier 2022, cancer, sentimental, s'il vous plaît. Allez, à votre couple, les cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit, cancer? Le valet d'épée, vous apprenez quelque chose. Une mail, une communication, quelque chose qui vient vers vous. Le valet d'épée est un homme intellectuel, très charmant. C'est un personnage intelligent, mais qui a tendance à savoir un petit peu tout. C'est un bon allié. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Il oublie un petit peu de faire preuve d'empathie souvent. Hein, ce valet d'épée a un choix à faire, une décision à prendre, une communication, hein, mais il y a un échange qui vient vers vous sur le fait d'avoir un choix à faire. Alors souvent, l'amoureux hésite entre deux femmes. Est-ce que vous êtes en triangulaire et que vous avez un homme qui doit choisir entre vous ou une autre personne? Besoin de prendre une décision par rapport à ça. L'énergie principale de votre jeu, l'empereur. Ok. Vous avez envie de construire, vous avez envie de stabilité. Vous êtes un petit peu cet empereur, on pourrait nous parler du signe du Capricorne ou du Bélier aussi, mais vous avez besoin de stabiliser quelque chose ici. L'as de coupe, le 5 d'épée, le monde, la tempérance, vous avez beaucoup d'arcanes majeures ici. Le 5 de denier, roi de bâton, le 10 de coupe et la synthèse de votre jeu, le jugement. Encore une arcane majeure. Vous allez être réveillés, mes petits cancers, sur ce mois de janvier, mais dans le bon sens. Dans le bon sens, parce que vous avez essentiellement des cartes pourries hein, sur la gauche de votre jeu qui nous parlent un petit peu des énergies de votre passé ou du présent en court terme. Et vous allez vraiment vers des belles cartes avec le roi de bâton, le monde, le jugement qui arrive. On dirait que la roue tourne pour vous. C'est vraiment ça. J'ai vraiment cette notion de karma où vous avez enfin la révélation aussi. Hein. C'est possible que vous ayez une révélation qui va vous faire changer du tout au tout votre problématique relationnelle. Vous avez perdu au début du jeu. Vous êtes triste. Vous vous sentez abandonné. Vous avez perdu une bataille. Il y a quelque chose qui vous a déplu. Mais vous reprenez les rênes de votre destinée. On pourrait nous parler d'une nouvelle rencontre pour les cancers avec l'as de coupe. Quelque chose qui arrive pour vous. Quelque chose de constructif avec le 10 de coupe. Quelqu'un avec qui vous pouvez créer. Avec quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des enfants. Créer une famille. Vous engager dans quelque chose d'épanouissant. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. C'est la joie. Vous avez envie de tempérer, vous avez envie de douceur dans votre jeu, vous avez envie d'équilibrer quelque chose. Ça peut nous parler de ruse aussi, ce 5 d'épée. Vous pouvez avoir agi peut-être par ego, mais là, visiblement, si ce n'est pas vous qui subissez l'ego de quelqu'un d'autre, c'est vous qui récoltez quand même le bénéfice de la relation, de la situation. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup atteint au début du mois ou sur cette fin d'hiver, sur ce début d'hiver, sur cette fin du mois de décembre, mais il y a quelque chose qui est relancé. Souvent, l'as de coupe nous parle d'un nouveau départ, d'un commencement, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle proposition qui vient vers vous. Cette proposition, ce nouveau départ va vous apporter de la sécurité, de la stabilité. C'est ce que vous recherchez, c'est l'empereur qui maîtrise votre jeu ici.
On a de l'équilibre, on a envie d'équilibre, on a envie d'harmonie. Et il y a ce roi de bâton ici qui se présente, qui peut nous parler d'un homme éventuellement, un voyageur, un homme charismatique, un homme qui est là, qui est stable, qui a des valeurs, qui sait vous montrer les belles choses, les bonnes choses. C'est un homme fidèle. C'est une carte qui nous parle d'exprimer vos idées, exprimer vos émotions. Soyez dans votre vérité intérieure. C'est un très beau jeu qui démarre pas très bien, certes, mais vous rebondissez. Donc, je pourrais de façon générale parler de rencontres pour les cancers. Et d'ailleurs, je crois qu'on avait ça aussi sur votre... Non, c'était pas une rencontre. Non, c'était attention à la trahison éventuellement. Mais on pourrait avoir une... Alors, ou une situation qui se relance concernant une relation sentimentale qui bug un petit peu au début de votre jeu. Avec cette idée que la relation se stabilise, la relation se construit avec l'empereur. Il y a comme un espèce de relan, vous voyez, on relance un petit peu la machine ici, donc soit avec une nouvelle relation, soit avec quelqu'un avec qui vous avez eu des déceptions au début de votre moi, mais qui finissent par se stabiliser parce qu'on arrive à trouver un équilibre, on arrive à harmoniser notre relation. Voilà, il y a quelque chose qui s'apaise. Voilà, on arrive à se parler, on arrive à communiquer, on arrive à échanger, on arrive à se dire les choses. Alors, est-ce que c'est l'énergie du 2022 qui vous permet de retrouver une certaine communication fluide avec votre partenaire, enfin, et d'apaiser les conflits? Voilà, on apaise les conflits, les cancers. Vous apaisez les conflits sur le mois de janvier. Vous avez les mots pour arriver à obtenir votre construction et votre engagement. C'est très positif. Le monde, on arrive sur une fin de cycle, on arrive sur quelque chose qui se finalise, qui se termine. Vous êtes le roi de bâton peut-être. Peut-être que c'est vous qui maîtrisez en fait finalement votre relation. Mais on sent que vous avez l'énergie, vous avez le pouvoir, vous reprenez les rênes de votre devenir sentimental dans la construction. Et ça m'a l'air très positif. Donc restez sur cette énergie, je dirais divine en quelque sorte. Puisque vous avez le jugement, il est là et qui vous a... Qui, le jugement, c'est un peu le réveil des morts. On va se par... Alors, c'est aussi une seconde chance, hein, d'accord? Le jugement nous apporte souvent cette carte, nous parle souvent de seconde chance. Nous dit souvent, voilà, c'est la naissance, c'est une nouvelle forme, c'est la révélation, la réalisation, c'est le réveil. C'est l'illumination, en quelque sorte. Donc, on va venir comme ça vous secouer un petit peu pour vous permettre de voir réaliser ce que vous attendez au niveau relationnel. Donc les cancers qui êtes célibataires depuis un moment, ne désespérez pas, ne vous prostrez pas, vous hein, voyez, comme cette personne, ne soyez pas dans cet aspect pessimiste, je ne rencontrerai plus personne, je finirai ma vie seule. Voilà, sortez de cet isolement, sortez de chez vous, allez chercher, soyez cet empereur qui a envie de construire, croyez-y, croyez à cette nouvelle rencontre possible. Pour ceux qui étaient en dispute, en difficulté par rapport à leur bien-aimé, reprenez les rênes de votre vie, sachez prendre des décisions. Le jugement va vous apporter certainement la réponse à votre question et va vous... C'est un petit peu le jugement divin aussi. On va peut-être vous apporter une synchronicité ou un réveil pour vous dire « Tac !» C'est maintenant que tu dois réagir, c'est maintenant que tu peux éventuellement mettre de l'eau dans ton vin, essayer de retrouver un équilibre et une harmonie dans ton couple. Fais l'effort. Voilà, fais l'effort de trouver ce qui ne va pas et ce qui peut te permettre de devoir réaliser ta relation et construire enfin comme cet empereur hein, pour stabiliser les choses dans le temps. Super positif les cancers. Ouais, vous avez des très bonnes cartes même à la coupe, vous voyez, donc... On y croit, on ne baisse pas les bras, soyez dans l'harmonie, soyez dans la temporisation, ne soyez pas dans les excès, faites attention à votre ego et vous verrez que les situations conflictuelles devraient s'apaiser sur votre mois de janvier. Voilà mes loulous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos, à partager bien évidemment et puis à mettre vos petits commentaires et des petits pouces bleus. Je vous embrasse et je vous souhaite une très joyeuse année 2022. Gros bisous!